Alors, contrairement au Lassus, et ça je m'y attendais, les Messors ont déménagé très très vite hein, pour quitter ce nid trop sec que voilà, ne voulait plus vivre dedans, ça c'est sûr. Le développement va pouvoir enfin reprendre, il ne reste plus que deux ouvrières qui vérifient. Elles n'ont rien oublié, mais voilà, par quelques graines, sinon elles ont tout embarqué dans le nouveau nid. Et voilà, donc le nid où était Melassus et Marginatus. On peut voir qu'elles ont investi le côté évidemment humide. Alors pour l'instant, ils ont stocké les graines là où c'est le plus humide, mais je pense que ça va changer avec le temps. Mais là, leur priorité, ça va être de faire du pain, que la reine se remette enfin à pondre, hein, parce que nous sommes quand même mi-mai, et il n'y a absolument aucun couvain hein, à cause du nid trop sec. Mais là, je pense que la ponte, dans quelques semaines, va arriver. Déménagement qui s'est passé rapidement et sans encombre. Et on se retrouve pas pour une bonne nouvelle, puisque une énième évasion de mes Lassus et Marginatus aura eu raison de ma colonie de Camponotus capitatus qui avait déménagé dans leur nouveau nid. Et donc ça c'est l'ancien nid des Messors Capitatus. Elles avaient quitté ce nid pour investir donc le nouveau nid. Et elles étaient installées, elles étaient bien, mais malheureusement, elles ont réussi à rentrer je ne sais comment dans le nid. Et elles ont absolument massacré tout le monde. Pourtant elles sont pas forcément bien nombreuses. Voilà, ils avaient installé leur stock de graines. Voilà, ils avaient installé leur stock de graines et tout, elles étaient bien. Et malheureusement, les Lassus et Marginatus ont réinvesti leur ancien nid. Enfin voilà, c'est du coup la fin de mes Messors Capitatus. Bon. J'en reprendrai sûrement, ou des Messors Barbarus peut-être, je ne sais pas. Allez, à bientôt, ciao ciao.